Salut à toutes et salut à tous, c'est Fioz et bienvenue pour la suite de Jouons à Olive et Tom. Voici l'épisode 11, ce sera le dernier de la série, le Japon contre l'Allemagne. Alors je vais pas parler beaucoup, je vais laisser la cinématique de début parce qu'on retrouve Thomas Price le gardien.監督、俺はこの大会にはそれに俺はディフェンダーとの連携も練習していませんし若林さんしかいませんよ若島津が怪我で出られない以上今日の試合ゴールを守れるのは若林さんしかいませんしかし俺を快く思っている奴だっているだろう俺は聞いちまったんだ若林お前は俺たちを強くするためにわざと憎まれ役を買って出たんだ自分を犠牲にしてこの全日本ジュニアユースを強くするためにお前はずっと動いてきたんだ若林そうだったのかどうするんだ若林最初からの予定通りこの大会には出ないんですよ資料作成だけでお前の仕事は終わりなのか現存分かった俺は出る。そして出るからには必ず勝つぞ。俺たちは優勝するんだ。ああ！よろしく頼むぜ、キャプテン翼。こちらこそ、若林君。いいかみんな、シュナイダーに送られるパスはできるだけ阻止するんだ。それとゴールキーパーのデューター・ミューラー、奴の資料は全くない。この試合で見つけ出していくしかないんだ中盤を制しシュナイダーのシュートを減らし何本ものシュートをミューラーに打ち込むそういう展開にしない限り俺たちに勝ち目はないんだ頼むぞ翼うんさあみんな時間が来たようだ持てる力を全て発揮し悔いの残らない試合をしてこいよし行くぞみんな悔いの残らない試合をする一番の方法は試合に勝つことだ一ドイツに勝って世界一を勝ち取ろうこの試合インターナショナルカップ決勝のつもりで戦うぞあさあ始まります第1回フランス国際ジュニアユース大会決勝日本対西ドイツの一戦場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しておりますよろしく。いいゲームをしよう。うん。ベストに尽くすよ。若林、とうとうチャンスが回ってきたな。勝負だ、若林。シュナイダー、俺は負けんぞ。さあ、全日本対西ドイツ、世紀の一戦は間もなくキックオフです。Bon, cinématique un petit peu plus longue que prévu, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé, c'était la finale quand même. Alors on va directement déclencher la première cutscene, celle qui inclut le gardien Müller. D'ailleurs, faudra que je dise quelque chose à son sujet après le tir d'Olivia Ton. C'est parti! どこに無駄でしまうようかシュートを打つ前に伝わってくるな脇になっていてはダメだ隙がなくても打つゴールキーパーミューラーの弱点を見つけ出すためにも勝利への道はそれしかないんだ食らえドライブシュートだまた抜けドライブシュートを放った果たして鋼鉄の巨人に通用しますか翼のドライブシュート。果たしてこのミューラーはどう守るんだ。はっ！ワンハンドキャッチでわしづかみだ。驚きましたミューラー君。そのパワーで翼君のドライブシュートを難なく防ぎました。ミューラー。
Donc ce gardien est un tout petit peu plus puissant que Gino Hernandez, le gardien de l'Italie. Il est très grand, il est très brutal, et d'ailleurs il a été librement inspiré de Harald Schumacher, un des gardiens de l'équipe de la RFA. Il est notamment connu pour avoir placé un coup de pied dans la tête au joueur français Patrick Battiston lors de la Coupe du Monde 82 en demi-finale. Et il n'a écopé aucun carton, hein. L'arbitre n'avait même pas sifflé faute. Donc voilà, c'était une des plus grandes controverses de la Coupe du Monde, c'était une petite anecdote. Ah ouais, je précise aussi que le gardien est, comme qui dirait, bloqué. C'est-à-dire que quand vous faites un tir avec quelqu'un d'autre et qui ne contient pas de cutscene, il va automatiquement arrêter le but. Le duel ne va même pas se lancer en fait. Enfin, vous verrez, je vais essayer. Attention, Kami Solita Kulu de Ralph Peterson. Donc bad, bad et bad. Parce que là, je vais essayer de faire les événements dans l'ordre. Attention à Schneider. C'est parti pour l'événement, je crois. Faut juste qu'il arrive à passer Philippe Callahan. D'ailleurs, c'est ce qu'il va réussir hein, puisque j'ai fait 3 bad. Et attention, c'est parti. Événement, maintenant. Vous venez d'assister à un super barret de Thomas Price, autrement appelé le dieu protecteur du Japon. C'est vraiment dommage qu'on ne l'ait que sur ce match-là. Attention à la power defense de Clifford. Bon, malheureusement, par rapport au niveau de la compétition, son tackle n'est pas super. C'est loin d'être le meilleur défenseur, quoi. Attention, Olivia Ton qui va passer à Mark Landers. Mark Landers peut-être pour une nouvelle cutscene, parce que si on ne fait pas un ordre de cutscene, on ne pourra toujours pas marquer. Hein. Je préfère le préciser. Attention, on va tenter un tir, mais malheureusement il est bloqué par un des défenseurs. 1080 contre 1000, smash, smash et smash. Et voilà, il passe et maintenant il va lancer la nouvelle cutscene. Ah bah non, c'est moi qui vais lancer la cutscene. C'est parti, à l'attaque! ドライブシュートではなく、血を合うダウンシュートだ。あ、はじいた。キーパー三浦君、キャッチしとこだった。チャンス。キーパーの言う通りだ。翼君、はじいたボールをもう一度シュートに行く。慌てているんだ、三浦。今、お前にも弱点はないんだ。私、弱点だ。その存在意識が残っているだけなんだ。 キーパーの三浦君、飛び出す。シュナイダー、くぜー。三浦君、このボールを直接キック。ああ、そのボールが走ってきた翼君の顔面を直撃。この至近距離、思わぬアクシデントだ。翼君、大丈夫？大丈夫。
Je vous parlais tout à l'heure de la brutalité de Müller, mais voilà quoi, c'est ça. D'ailleurs, je précise que n'espérez pas passer ce goal en duel normal. C'est-à-dire, vous avez la balle, vous foncez vers les cages, vous lancez le duel. Je crois qu'il a 2400 de puissance d'attaque. Donc même un triple critical, je crois qu'il ne sera pas suffisant malheureusement. Puisqu'il fait vraiment le double de l'attaque de Tsubasa et on peut pas faire grand-chose quoi. Attention, Patrick Everett, que va-t-il faire ? Contrôle parfaitement réussi. Il va refaire une passe à Mark Landers. Mark Landers qui va tirer. Attention, peut-être va-t-il déclencher un événement. Non, il préfère essayer de recadrer le ballon. Pour pouvoir mieux tirer ensuite. Oula, attention, un Allemand avec les cheveux gris. Critical, critical. Attention, vas-y Mark Landers, tire et déclenche la cutscene. Go ! ゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。行くぞ、キューガ君。翼、お前も感じたのか。二人同時にシュートを面白いと思ったあの感じ。まさか、これは翼とキューガ、心が通じ合わなければ打てないシュート。ライバル同士の2人、今は同じチーム。 メーパートナーになっているのか。あーっと、これはドライブシュートだ。リガーショット、同時にシュート、ドライブシュートとタイガーショットの合体。これはドライブタイガーツインシュートだ。今世紀最大のシュートがついに爆発。 ドライブシュートとタイガーショットの鋭い回転が引き起こすすごいボールの揺れだ。ミューラー、俺いるぞ、ミューラー。ああ、これは取った、取ったのか、このシュート止めたのか、ミューラー君。何、ミューラー、 Oh mais c'est pas vrai, ce gardien est absolument imbattable. Toujours 0 à 0 après presque 10 minutes de jeu. Faut faire attention à la contre-attaque des Allemands. Attention, attention, attention. Il va y avoir un centre là, je sens. Allez, vas-y, Kamisori shoot. Non, pourquoi je confonds? Il fait même pas le tacle ou le tir de Kamisori, moi je dis ça. Bon. Allez, attention, maintenant on peut repartir à l'attaque. J'essaie de les contrôler avec le joystick, c'est pour ça qu'il y a un éclair au-dessus d'eux. Attention, défenseur allemand. Bad, bad et bad. Parce qu'il faut quand même expliquer que c'est les Allemands qui marquent le premier but, quand même. Allez, 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 attention. Encore une fois, Schneider qui tire, qui est face à Clifford, bien qu'il soit derrière lui. Attention, smash, smash, good, 2560, attention, va-t-il partir? Rien, rien et rien, cela part en corner avec une grande difficulté malheureusement. Parce que là en fait j'essaie de me prendre le but et cela ne marche pas. Attention, corner tiré, il est bien frappé au premier poteau et... Attention, 1280 shoot, je crois que là encore ça va rater. Attention, Clifford encore une fois, là je crois que ça va rater aussi. Ah mais non, quoi que 2800, je pense que ça va peut-être repartir également en corner, on va voir ça. Bad, bad et bad, et bah non, il y a but. Bon, il n'y a pas un but de Schneider, mais bon, c'est pas grave. Ah, but pour les Allemands! Oh là là, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, là, c'est encore une fois un gros, gros cliché sur les Allemands. Il n'y a quasiment que... Bah, il n'y a quasiment que des blonds, quoi. Hein. On a eu le cliché français, le cliché italien... Enfin voilà, hein, c'est bon enfant, attention, on va essayer d'accéder à une nouvelle cutscene, attention, c'est parti, maintenant je crois, peut-être, oui, c'est parti. このシュートは俺には通用しないとさっき教えてやったはずだろう。こんなシュート簡単に。うっ。
力ではキック力に差があるんだ。だから当然ボールは曲がる。さらに三崎くんが飛び込む。これは最初からゴール前に走る三崎くんへのパスだった。三崎くんのダイビングヘッド炸裂。しかし三浦くん連帯手を伸ばしこのボールをキャッチ。三崎くん持ちこたえろ。お願いくん翼くん行け。三崎くんブロックされた三崎くんのダイビングヘッド後ろからドロップキック。なんだと。西ドイツのゴールへ。翼、お前ってやつは穴だったらいい。そんなもの簡単に取れると判断してその心の隙を突かれたんだ。まだあんなに敵を侮るとこういう目に遭う。Voilà, maintenant le match sera un petit peu plus équilibré parce que le gardien est en fait débloqué, c'est-à-dire que vous pouvez tirer avec n'importe qui. Et donc si vous enchaînez les tirs sur lui, il va perdre en puissance et il pourra perdre face à un tir tout à fait normal. Mais je rappelle qu'il a quand même toujours 1100 de puissance de catch. Et d'ailleurs on va le voir tout de suite, attention 1350, smash, critical. Voilà, là je peux vraiment jouer à mon meilleur niveau. Et il reste quand même 15 minutes en première mi-temps. Attention, tir d'Olivier Hatton. Un shoot de base de 1400, donc voilà, 1900, 2700, 3290. Là, on peut se dire, ouais, ça va rentrer, mais en fait, non, regardez. Critical, good, bad. Vous voyez que c'est pas forcément nécessaire hein, de faire un critical, mais ça peut toujours faire du bien. Voilà, maintenant, le duel se lance, le gardien peut arrêter les buts comme il peut les laisser passer. Et il y a un partout, n'empêche, ça a été superbe l'action là, le coup de Olivier qui saute sur les jambes de Ben. Le genre de truc qui est vraiment improbable dans la vraie vie quoi, mais voilà, on l'aime bien quand même. Vas-y, passe à Ralf Peterson. Sandy Winter qui est encore une fois un joueur très discret sur le terrain, donc smash, critical et smash. Allez, 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 allez. Repasse le ballon, repasse le ballon. Donc là je crois au niveau des événements. Je sais plus si je vais réussir à en faire parce que le dernier événement en fait il y a un événement que je n'ai pas réussi à faire et je pensais qu'il n'existait pas lui aussi, mais en fait on vient de m'informer là à l'instant que cet événement existe, donc voilà, vraiment toutes mes excuses, mais j'ai pas pu le montrer. J'ai vraiment essayé, ça je vous promets. Attention, on va faire un petit Kamisoli shooter. Ouais, le premier ou le deuxième? Bon allez, le premier. On va essayer de marquer avec Ralf Peterson. Kamisoli shooter! Smash, smash. Good, ça fait 3300, c'est pas mal. C'est plus puissant que le premier tir d'Olivier qui faisait 3050. Attention, 940. Et voilà, malheureusement, ça a tout foiré. On s'est pris un joueur, je crois que le shoot va arriver à 1500. Voilà, 1570, c'est ça. Et voilà, bah 1120, il ne lui reste plus qu'à faire un smash et c'est bon, c'est terminé. Donc arrêt du gardien sur ce Kamisori shoot. C'est quasiment impossible de marquer avec quelqu'un d'autre qu'Olivier ou que Mark Landers. Mais si vous voulez essayer, vous pouvez faire la technique que j'ai déjà utilisée, c'est-à-dire vous allez près du poteau de corner, ensuite vous longez la ligne, et normalement le goal arrivera vers vous et vous devrez faire un centre avant que le duel ne s'engage. Et comme ça il n'y aura personne devant les cages et vous pourrez marquer à votre aise. Attention, le tir. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, d'accord, il fait un tir tout à fait normal. Parce qu'il me semble que le résultat final va être de 3 buts à 2. Pour le Japon, bien évidemment. Attention, Thomas Price, smash, smash, et good. Donc voilà, c'est pas mal. Yeah. D'ailleurs, on a vu que Alan Crocker a été sélectionné comme remplaçant. Remplaçant de l'équipe. Avec un t-shirt orange, mais tout à fait immonde. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis ça, mais voilà quoi. Et non, franchement, c'est pas mal. C'est bien de le montrer. Voilà, on sait qu'il est là. Il a eu sa part dans la World Cup des juniors dans Olivier Tom. Donc voilà. Petit clin d'œil à Alan Crocker, ce jeune qui a toujours été considéré comme un remplaçant. Et qui restera toujours considéré comme un remplaçant.
avec sa fameuse technique de se prendre le ballon dans la gueule. Alors attention, Patrick Everett, donc 2500 qui passe à 3050. Attention, encore un petit duel pour Muller, good, good, et smash. Bon, malheureusement, il arrive à choper le ballon. Yes! Allez, 7 minutes 40, il reste. Alors là, attention, mais on voit vraiment à quel point Muller est grand. Donc regardez quand il a le ballon. Regardez juste sa tête et à la limite de toucher la barre transversale, c'est pour dire quoi. Attention, tir de Leviathan encore une fois. Va-t-il réussir? Bon, c'est, ça m'étonnerait puisque à la place d'avoir 1400, il a 1200 de shoot. Donc regardez là. Attention, là je me suis dit que le but allait y aller, mais non en fait. Voilà, on voit même pas le ballon tellement il est grand. C'est parti pour un corner. Attention. Corner bien tiré sur Patrick Everett. Que va-t-il faire? Et il va encore tenter de tirer. Attention, avec un shoot de base de 1030. Il est face à un défenseur qui est 1060 d'attaque. Critical, smash. Et smash qui fait 2490. 1120. Voilà, good, good, smash. Et c'est le... Bah non, 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 c'est pas le but. Attention, il reste 4 minutes à jouer. Et il faut rappeler quand même que les Allemands ont leur jauge qui est au niveau 3. Attention. Bruce, 600, bon voilà, c'est bon, là tu te fais directement tège. Bruce est vraiment le maillon faible de l'équipe avec Clifford. Mais voilà, quoi, Bruce a été auteur d'un très très bon parcours. Alors attention, ça va être absolument épique. Duel entre Olivier et Schneider. Donc Schneider va faire son fameux tir boule de feu. Donc regardez là, bon là je fais exprès de perdre, d'accord, mais regardez, hop, Olivier se fait carrément dégager. Ensuite, il y a toujours Ben Baker qui est là et il se prend le ballon, il se fait dégager lui aussi. Et maintenant le ballon est en direction de Thomas Price. Que va-t-il faire? Critical, smash et critical. Et c'est parti pour le mode hyper. Attention, SGGK, super goal, super great goalkeeper. Donc en gros le super génial gardien. Voilà, bon, enfin c'est un arrêt comme un autre. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait but sur ce, bah sur cette action, mais en fait, non, il reste quand même 2 minutes. Oui, parce que le score à la fin est de, à la fin de la première mi-temps est de 1 but partout. Donc ça doit être pour ça que je n'ai pas, que vous ne m'avez pas vu laisser passer le ballon. Attention, critical, vas-y Olivier. Il est niveau combien Olivier là? Niveau 18 je crois. Ah, ça va, il commence à prendre des niveaux. Mais je sais pas c'est quoi le niveau max d'ailleurs, faudrait que je vérifie, peut-être 20. Mais après avoir tous ces joueurs au niveau 20, ce serait quand même hyper cheaté quoi. Ah d'ailleurs, après avoir terminé le mode histoire, on débloque le mode créer ton capitaine. Et donc il pourra prendre des tirs, il aura son mode histoire à lui. Mais sincèrement, voilà quoi, il sera un petit peu ennuyeux parce que... Bah parce qu'il n'y a pas de cinématique dans les matchs quoi, mais il apprendra de très bons tirs et ça deviendra un excellent joueur. Attention, 2830, critical, smash, smash, au revoir mesdames et messieurs. C'est capté par le gardien Muller. Regardez bien la taille qu'il fait. Et on est dans les arrêts de jeu là, attention, vont-ils avoir le temps de faire un autre tir? Oula oula oula, faut faire gaffe là, repliez-vous en défense, repliez-vous. Allez, vas-y, Ben. Et yes, c'est pas mal. Et là, on voit le ballon. Je crois que le jeu va s'arrêter après la touche. Ouais, parce que là, j'ai tiré... il a tiré comme un bourrin. Et voilà, bah le tir a échoué, quoi. Attention. Il tacle. Smash. Critical. Yes. Et c'est... Non, je crois qu'il y aura plus de grosses actions pour le moment. Critical, smash, voilà, donc vous savez très bien ce que j'en pense, hein. C'est du critical, c'est du smash, c'est pas de bad, c'est pas de good. Attention, 1150, critical, smash, voilà, encore je passe les joueurs, hein. C'est vraiment, ça en devient lassant même. Bon, attention, attention, 910 contre 1100, good, bad, bon bah d'accord, je suis vraiment, non mais là désolé, quoi. Bon voilà, de toute façon c'est terminé, c'est la fin de la première mi-temps, il y a un partout. Donc l'issue du match reste très incertaine. Roberto-san.
52ページ目です。それを忘れる。52ページ目。さあ、行こうみんな。翼。坂桐さん。ノートの52ページ。え、ノートの52ページ。まさかロベルトが。Bon, on a vu une courte cinématique avec Roberto. D'ailleurs, puisque je vous le dis, il me semble que Roberto va faire un pari avec l'entraîneur de l'Argentine. Il va lui dire... l'entraîneur de l'Argentine va lui dire qu'il pensait que le Japon allait perdre déjà contre l'Argentine, qu'ensuite il allait perdre contre la France. Et donc là, ça prouve qu'il s'était trompé. Donc il va faire un pari avec Roberto. Et si le Japon gagne, Roberto va amener Olivier au Brésil. Voilà, comme il l'avait déjà promis dans la première saison, mais il ne l'a pas fait parce qu'Olivier était vraiment trop jeune. Mais voilà quoi, c'est... Je préférais préciser plutôt que de vous dire ça pendant le générique de fin, parce que oui, un générique. Là, j'en profiterai pour faire les remerciements, tout ça, bien sûr, hein, y a absolument aucun problème. Attention, le ballon n'a pas été arrêté et touche le poteau. Bon, ça revient du pareil au même. Hein. Il reste 20 minutes et il y a toujours un but. Ah ouais, là si en fait je colle Ben Baker, c'est parce que j'essayais tout simplement de faire la cinématique. Et malheureusement, cela n'a pas marché. Donc voilà. Attention, je crois qu'il... celui qui a un cœur dans la bouche, là, le blond. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous blonds, mais je crois qu'il s'appelle Kartz. Ou Hartz, je sais plus. Mais un nom allemand, quoi. Attention, good... Bad et good, je crois que le but va rentrer. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il va rentrer. Ah bah non, triangle, carré, je n'ai rien dit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai laissé passer ce but. Hein. Enfin, c'est les aléas, hein. Je suis vraiment désolé parce que je l'ai filmé hier, donc quand même petit décalage parce que je ne filme pas tout en même temps. Enfin, je commente des fois avec des secondes, des heures d'intervalle, puisque commenter tout le temps... voilà quoi, c'est pas forcément je dis que moi ça me passionne, ouais, mais commenter tout le temps en regardant ce qu'on vient tout juste de filmer, c'est pas forcément super, donc voilà, je fais des petits breaks. Voilà, c'est lui, c'est le mec avec le cure-dent dans la bouche. D'ailleurs, je crois qu'il l'a là en ce moment, le cure-dent dans la bouche. Je vous invite à regarder au ralenti si vous voulez. Allez, vas-y, envoie. 1400 contre 930, smash, good. Et c'est gagné, ouais. 24 minutes. Attention. Voilà, là encore une fois, je passe à Ben, mais malheureusement, cela ne marche pas. Vous allez voir, vous pouvez avancer dans la vidéo. Parce que vous allez voir, je vais vraiment faire des passes tout le temps. Et là, il fait une passe à Everett. Et là, je me suis dit, je vais pas tirer. Je vais essayer de renvoyer le ballon à Ben pour qu'il refasse une passe à Olivier. Pour que ce dernier refasse une passe à Ben. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que quand on fait une passe... dans la surface du goal, on nous demande obligatoirement si on veut tirer, c'est-à-dire et on peut pas, enfin, on arrête le jeu obligatoirement, et ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs au niveau du gameplay de ce jeu. Attention, voilà Ben. Et je voulais lui faire faire un tir, mais là apparemment il a décidé de passer le ballon tout seul. Attention, Patrick Everett, le numéro 18. Carré, voilà, 2680. Voilà quoi, c'est pas assez, hein. Je le dis tout de suite, 1740, critical, smash, aucun problème pour ce gardien, absolument hors pair. Yes. Enfin, pourquoi je dis yes, moi, il faut qu'on marque, allez, il reste 20 minutes. Et après, il y a le générique, bien évidemment, donc cette vidéo est presque aussi longue que le match contre la France, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, aussi bien dedans que en dehors du terrain. Oh là là, mais c'est pas vrai. Franchement, ma défense, elle pue un peu, quoi. J'ai pas peur de le dire, puisque là, d'accord, je fais en sorte que les Allemands puissent gagner en jauge. Mais autant, voilà, quoi, ma défense, elle a pas de super statistiques non plus, quoi. Faut arrêter. Allez. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, là ? 670, 980, critical, smash, good. Il
passe à Ben. Encore une fois, Ben qui va passer à Olivier, parce que j'essaye vraiment dans tous les côtés hein, de passer le ballon dans tous les côtés. Attention à la reprise des Allemands. Et bon, là, ça c'est vraiment l'action qui marche pas. Donc, c'est-à-dire, soit on intercepte la balle, ça va, d'accord. Soit on la rate complètement, là l'action n'est pas arrêtée. Mais le coup de à peine la toucher pour que ça rebondisse, c'est un petit peu chiant parce que ça arrive dans les pieds de personne à la base. Voilà, il y a déjà. Attention. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces joueurs? Bon, surtout moi là, je lance toujours le menu. Parce que moi, quand je veux faire une cinématique, je suis prêt à tout. Même au pire, mais non, là j'ai vraiment pas pu. Je sais pas, peut-être qu'il manquait quelque chose. Peut-être que j'étais un petit peu trop avancé par rapport aux autres joueurs. Attention, Patrick Everett, encore une fois. C'est exactement le même schéma tactique que tout à l'heure. Hein. Attention, va-t-il tirer? Eh ben non, il refait une passe à Ben, encore une fois. Qui retombe face au gars avec un petit cure-dent dans la bouche. Qui repasse, bien évidemment. Alors ensuite, je lui redemande le ballon. Olivia Ton va encore une fois faire un petit contrôle pour ne pas être obligé de tirer, donc et voilà, il a réussi le contrôle. Ensuite, Olivia Ton va encore une fois repasser à Ben, qui va encore une fois de plus repasser à Olivier, qui lui encore une fois de plus va repasser à Ben pour enfin retomber sur le. Bah non, c'est bon, non. Là, en fait, ils ont, on était en train de tuer le jeu, mais non. Eux, ils en ont décidé autrement. Attention, est-ce qu'Olivier va récupérer le ballon? Et j'ai l'impression que oui. C'est absolument génial. On peut repartir en contre-attaque. Et bah non, Olivier repasse à Ben. Qui va faire le tir de niveau 1 avec Olivier d'ailleurs, puisque comme l'action ne se réalisait pas, je me suis dit on va faire un tir combiné afin de marquer. D'ailleurs, vous allez voir, ce tir est vraiment très puissant. Ce n'est qu'un tir de niveau 1. Bah, de toute façon, je crois que je l'ai déjà montré. Hein. Attention, voilà, les deux se préparent. Twin shot! Critical, smash, critical, donc 5800. D'ailleurs, pour la fin, franchement, pour la fin de la vidéo, je vous prévois, mais hein, vraiment une fin de malade, vous allez voir. Restez jusqu'au bout. Hein. Attention, que va faire Schneider? Non, je suis Müller, excusez-moi. Ah voilà, il a fait battre. S'il avait fait un smash, la balle ne rentrait pas. Eh ben non. But! Golus! Ce qui augmente le score maintenant 2 à 1 en faveur des Japonais. Pour la première fois, il mène dans ce match. Et c'est reparti pour un nouveau kick-off. Il reste 15 minutes à jouer. Pour le moment, le Japon continue de mener avec 2 buts à 1. Mais malheureusement, un hein, score, ça évolue très très vite. Attention, que fait Schneider? Schneider qui tire, un tir tout à fait normal. Donc good, good. Et smash, un tir de 2510. Good, critical et smash. Donc voilà, c'est bien évidemment capté par le gardien Thomas Price. Allez, c'est parti, on voit le ballon. On va essayer de repartir en contre-attaque. Oula, malheureusement, qu'est-ce qui se passe là? Schneider m'a surpris. Critical, smash, j'en ai absolument rien à faire. Schneider est out. Déjà un joueur de passé. Attention, peut-être un autre. Eh ben non, je préfère passer à Philippe Callahan qui remet sur moi. Attention, 1-2 en une nouvelle fois avec Ben Becker. Attention, contrôle cure-dent. Smash, good et good. Donc, c'est. Voilà quoi, puissance égale, donc le ballon part de n'importe quel côté, mais bien évidemment la balle me revient, parce que s'il n'y avait pas eu toucher de balle par l'adversaire, eh bien il y avait faute, bien sûr, hein, puisque quand on tacle et qu'on ne touche pas le ballon, il y a faute. Attention, sur Philippe... Non, pourquoi Philippe Callahan? Patrick Everett, bien évidemment, je suis con moi. Attention, il arrive à capter le ballon. C'est parti, on continue, allez, on ne lâche rien. Smash, smash, j'ai l'impression que les Japonais ont mangé du lion pendant l'habitant. Allez. 1930, smash, ouais, t'as réussi juste à temps. Allez, vas-y, on voit le ballon vite avant de devenir bleu comme la fumasse. Attention, 10 minutes à jouer. Olivia Ton qui envoie, qui va centrer sur Patrick Everett. Patrick Everett qui centre, non, Patrick Everett qui reçoit le centre, excusez-moi. Attention, va-t-on avoir droit à cette fameuse reprise? Carré, croix, triangle, 2080, voilà, bad, but good, good, allez, à l'arrêt de Schneider, là, c'est absolument épique ce gardien, yahoo, on continue,
Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là, je sais pas, je suis vraiment désolé. Attention, 1080 sur 880. On a battu, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, le tir de Mark Landers peut... attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas eu le temps de voir. Bon bah c'est pas grave. Mark Landers qui tire. Mark Landers qui fait un total de 2350. C'est un... Ouais, c'est faible. Mais là, regardez bien, le gardien commence un petit peu à perdre de son catch. Il a déjà 1010 au lieu de 1120. Il a perdu 120 points de catch. Une petite parenthèse par rapport au temps qui me reste. J'ai une annonce à faire, en fait, et je la ferai au générique. Ça concerne la chaîne, en fait. Voilà, donc Sandy Winter reprend le ballon. Il est suivi de très près par l'ouragan de Philippe Callahan. Qui est malheureusement ne sert à rien, hein, qui est malheureusement passé par Schneider. Schneider qui prépare un tir, qui arme sa frappe. Good, good et good, ce qui fait un shoot de 2310, donc rien. Et normalement ça part en corner, non, normalement c'est dévié, attention. Et c'est dévié. Attention, s'il retente une frappe directement, Thomas Price n'aura pas tout son catch de disponible, attention. Et oh là là, Schneider a raté sa reprise. Bad encore une fois. Bien évidemment, c'était fait exprès. Attention, Schneider qui frappe. Un shoot de 1260. Et good. Et good aussi. 2720. Et là, rien. Donc ça part en corner, je crois. Oh là là, mais là j'essaie de me prendre le but, mais ça marche pas parce que normalement l'Allemagne arrive à revenir à 2 à 2. D'ailleurs, voilà, il reste plus que 2 minutes 30. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais avoir le temps? Et justement, non, je ne crois pas que je vais avoir le temps. Attention. D'ailleurs, aussi, ouais, non, je vais pas faire de spoil. Hein, je vous expliquerai tout ça au générique. D'ailleurs, attention, Thomas Price encore une fois qui est dévié. Ouais, c'est ça. Attention, encore un corner, c'est parti. Corner, et c'est la tête ou la reprise, j'ai pas eu le temps de voir. Je crois que ça va être une reprise. Voilà, reprise, 1280, good, bad, critical, donc 2500. Normalement, le but, il va là. Rien. Et bah non, ça part encore une fois en corner. Ça fait un petit peu comme avec Ed Warner dans le match contre je ne sais plus quelle équipe. Voilà, corner, ouais, attention, double zéro, voilà, donc là je pense que ça y va, parce que 1400 de shoot contre Philippe Callahan qui a un 1130 de défense, donc Radek smash, good, ce qui fait 2800, donc là c'est obligé, il a 1100 de catch, mais même, regardez, 1, 2 et 3, donc pas but, enfin si, but justement, excusez-moi, voilà, 2 buts à 2, et il ne reste quasiment plus rien sur l'horloge, on arrive vraiment sur la fin du match. Donc 2 buts à 2, est-ce qu'on va tenter les prolongations? Et ben moi je vous dis non, parce que regardez bien, je vais juste avoir le temps d'armer mon tir. Regardez, le tir du phénix, c'est parti. Attention, le dernier tir du jeu. Attention pour le phénix, drive shoot. Tiens, regardez, on va vraiment voir le faisceau bleu à la manière de Ryu dans Street Fighter. Et attention, critical, smash, ce qui fait un tir de 7300. Attention, il y a beau y avoir 3 joueurs devant, donc regardez, ça loupe un joueur. Ça va en percuter un. Maintenant, voilà, et le troisième, je crois que ça va pas le percuter, ça va passer au-dessus de lui aussi, regardez. Voilà, et maintenant, attention, qu'est-ce qu'il va faire, Müller? Voilà le phénix. Et bad, good, et good, attention, et... But, et le filet qui est déchiré par le ballon, c'est absolument génial. Et il ne reste quasiment plus rien. Regardez, vous allez voir, l'arbitre va directement siffler, on va même pas faire le coup d'envoi, donc regardez, le coup d'envoi va à peine être fait, regardez, voilà. Eh ben non, même pas, aucune passe n'a été faite, voilà, c'est terminé, la victoire pour le Japon. Donc je vous laisse la cinématique de fin et on se retrouve au générique, puisque comme je l'ai dit, j'ai une annonce, une petite annonce à faire, par rapport à la chaîne et tout ça, donc voilà. やったんだ。全日本が優勝したんだ。翼くん、みんな、これ
たちの夢は叶ったんだ。よかった。サッカーをしてきて本当によかった。これは日本サッカー界初の快挙、世界一。第1回フランス国際ジュニアユース大会優勝、日本サッカーが初めてナンバーワンの栄冠に輝いたのです。おめでとう全日本ジュニアユース。姉妹だ。誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。おっと今フィールドでは熱戦を戦い終えた両キャプテンががっちり握手です。しかし悪いのはユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだ。次はインターナショナルカップで会おう。今度は負けないぜ。うん。ただいまオフィシャルから正式な結果発表が届きました。優勝はもちろん全日本ジュニアユース。準優勝は西ドイツジュニアユース。3位には地元フランスとウルグアイが入っています。そして注目の最優秀選手 MVP には翼大空、全日本ジュニアユースキャプテン大空翼くんが MVP 最優秀選手賞に輝きました。その翼くんに今大会会長ミッシェル・ルボー氏より優勝杯が手渡されました。今全日本が16歳以下ジュニアユースクラスのサッカー世界一に輝いたのです。やったぞ全日本ジュニアユースの優勝。それはまさにチームワークの勝利でした。おっとどうやらこれからキャプテン翼くんの優勝スピーチが行われる模様です。皆さん大きな声援どうもありがとうございました。僕たちはこの大会が始まる前にみんなで誓い合いました。頑張ってこの大会に優勝しようと。その夢は叶って今嬉しさでいっぱいです。だけどナンバーワンになったとは思っていません。なぜならこの大会にはサッカー王国と呼ばれるブラジルが参加していません。それなのにサッカーの世界一を決める大会はインターナショナルカップです。僕たちの夢はそのインターナショナルカップで優勝することです。それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。翼くんの優勝スピーチの後は全日本のビクトリーランです。翼ベルトだ。なんでここに。翼くん優勝おめでとう。翼見事だったぞ。ロベルト、俺中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。あ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオ、そして今日この目ではっきりお前のプレイを見たぞ。どのプレイをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな翼。ロベルト、お前の世界一のサッカー選手になるのを俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。ずっと信じてた。サッカーをやって上手くなれば必ず
中学を卒業したらブラジルへ行く。プロのサッカー選手になるために、一人前のプロサッカー選手になるまでは日本には戻らないつもりでいる。だからその時まで待っててくれなんて言えない。ましてや一緒に来てくれなんてことも俺には言えない。だけど今俺は中澤早苗が好きだ。Voilà, donc c'est la fin de ce let's play sur Captain Tsubasa. Donc la dernière scène avec Olivier et Patty, donc c'est tout simplement Olivier qui avoue ses sentiments à Patty. Et voilà, donc on pensait longtemps qu'il était insensible, mais en fait, non. Bon, le générique est très très court, donc je vais pas m'éterniser. Tout d'abord, je voudrais remercier Chalutier89 qui m'a vraiment coaché au téléphone pour me dire quels événements faire, à quel moment. Il m'a fait découvrir des cinématiques, donc voilà, merci. Merci à Cookdinos qui n'arrive pas à suivre mes vidéos parce que je les poste trop régulièrement. Donc voilà, merci à toi, merci à SinoXMallory. Bah voilà, c'est un petit peu les trois principaux. Voilà, j'ai eu quelques petites altercations avec certaines personnes qui postaient des commentaires. J'ai critiqué un autre let's play qui pour moi était un petit peu trop vulgaire. Mais bon voilà, je lui en veux pas puisque c'est vraiment en regardant ces vidéos que ça m'a donné l'idée de faire ce let's play. Et voilà, donc Olivier Tom, c'est vraiment le dessin animé de toute une génération. Donc je suis fier d'avoir fait ce let's play. Et voilà, le flambeau a vraiment été passé, je pense notamment à Inazuma Eleven qui reprend un petit peu le principe d'Olivier Tom, mais sous une version nouvelle. L'annonce par rapport à la chaîne, c'est que voilà, je suis désolé, j'ai longtemps réfléchi et j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos. Je sais pas si ce sera définitif, je sais pas du tout si ce sera... si d'autres vidéos seront postées. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir finir Dragon Ball Z pour le moment. Mais voilà, j'ai vraiment besoin d'un break, donc voilà, si ça me fait perdre des abonnés, c'est pas grave. Si je dois revenir, je pense que je reviendrai, mais je sais absolument pas quand. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été fidèles, je vous remercie parce que ma chaîne a quand même été vue à passer la barre des 25 000, donc pour moi ça représente beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je voulais remercier... les forums jeuxvideo.com qui m'ont aidé à me faire connaître un petit peu. Voilà, merci à vous. Merci à mes amis qui me supportent pour tous mes projets. Et voilà quoi, j'ai vraiment été fier de faire ces vidéos et j'espère pouvoir revenir très bientôt. Bon allez, salut tout le monde et peut-être à la prochaine, je ne sais pas. Au revoir.